Merci l'homme de Dieu, Papa Jérémy. Et dans zone d'Imakelelo, Motomo kwa kupambola maawa, ako zonga denge ayakite. Tombola na mabongo likolo, tombola. Tombola teba na nzambe, merci pour la bolamu wa sale liso. Bien aimé, kolala mutamu na kasika atandi mbeto. Mais problème est à la raya kola moka. Neto zale abiso nyoso, mutayeba ki era lalaki. Mais le problème, kola moka na tongo neza la problème. Le kola nzamba tike liyo vie. C'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons pamba pamba te avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons na janvier pe na février te na mars pe nous avons dit que avril pe zali sanza o nzamba nga préparé ba cartouche a bien. Est-ce que mutu moko akopamba en avril azali a lobi nga yo yo oui bien aimé kolenga ka pamba te mutu aleki yo azali pamba na yo. Prendre en charge ses enfants. Sa façon de prendre ses enfants en charge était différente de ce que les humains peuvent imaginer. Laisse-moi te dire une chose. Même dans le désert, l'Éternel peut toujours pourvoir. Même dans le désert, l'Éternel peut toujours te frayer un chemin. Dans tes yeux, c'est un désert. Mais aux yeux de l'Éternel, c'est une terre fertile. Dieu n'est pas contré par rapport aux saisons. Alléluia. Amen. Dieu est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes les raisons climatiques. Il est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Les enfants d'Israël, en étant dans le désert, l'Éternel avait pourvu. Ils ont consommé de la manne pendant 40 ans avant d'arriver à la terre promise. Laisse-moi te dire, quelle que soit la situation à laquelle tu es en train de survivre maintenant, quelle que soit la difficulté que tu traverses, si tu crois seulement, si tu crois à l'Éternel Dieu, si tu crois que Dieu peut faire quelque chose, si tu crois à la capacité de Dieu de faire dans ta vie, c'est là que tu le crois au nom de Jésus-Christ. Tu le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est là? Amen. Amen. La Bible a détaillé la manne. Ils ont remarqué quelque chose de menu comme des grains. Ils ont remarqué quelque chose de la gelée blanche. Ils ne savaient pas ce qui c'était. C'est là que Moïse va leur dire. C'est le pain que l'Éternel vous a donné. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler sur le mystère de la manne. Papa Zolo bela mabomba mi ya manne. La manne. Manne. Comme provision divine. Kola e bombelo ya katia lola. Qui dit amen? Amen. 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 Papa, j'en sais, je veux un peu voir les gens, mais apparemment la lumière m'empêche. Papa, il y a pour changer position, s'il vous plaît. Amen. Comme ça, je le vois bien. Alléluia. Amen. Le mystère de la manne. Ma bomba mi ali pa lola. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Tu veux qu'on mette la journée dans le sommet à vous? Regarde ton voisin. Le mystère de la manne. Alléluia. Amen. Mais avant que la manne n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y a une couche de rosée qui entourait le camp. Et juste quand la rosée fut dissipée,
C'est là que la manne est apparue. Alléluia. Amen. Il y avait d'abord une couche de rosée qui entourait les temps. Cette rosée représente la présence de Dieu. Avant que la manne n'arrive, cette rosée d'abord se manifester de même. Se manifester par sa présence. Avant que la manne n'arrive, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, comme le premier point, avant que la bénédiction de Dieu n'arrive dans ta vie, cette bénédiction doit être précédée par la présence de Dieu. La présence de Dieu. Bon, salut, c'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, un jour seulement dans ta présence, c'est plus que mille ans ailleurs. Parce que David savait, dans la présence de Dieu, ma délivrance est assurée. Dans la présence de Dieu, ma bénédiction est assurée. Dans la présence de Dieu, mon élévation est assurée. Dans la présence de Dieu, tout ce que j'ai besoin, je le louvrais avec facilité. La manne, c'est quelque chose, c'est toute chose qui arrive dans ta vie. Sans tes efforts personnels. Alléluia. Amen. Les choses qui arrivent dans ta vie. Sans tes propres efforts. Ce sont des gens qui croient que la grâce de Dieu est disponible. Même si j'ai l'argent. Même si j'ai tout. Et tout cela me vient de la grâce de Dieu. Amen. Grâce de Dieu. Amen. Amen. La parole. C'est la parole. Amen. Même dans nos familles, nous avons perdu la culture de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Avant même en Israël, on recherchait la présence de Dieu. Même les rois ne pouvaient pas diriger sans la présence de Dieu. C'est pourquoi Saoul, dès que l'esprit de Dieu a quitté, c'est là que l'esprit malin a pris la place. Aujourd'hui, beaucoup de gens. Amen. Sans la présence de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, qui nous a dit toutes les bénédictions. Une bénédiction, une richesse. Sans la présence de Dieu, est voué à l'échec. Amen. Oh, le véritable soubassement, c'est la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, que ce soit dans nos familles ou dans l'église, nous avons perdu la qualité de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherche vraiment la présence de Dieu. Le mariage, nous en avons besoin. L'argent, nous en avons besoin. Les véhicules, nous en avons besoin. Mais ce qui est plus important, c'est que la présence de Dieu. D'être dans une personne, avec une personne, marcher avec une personne. Mais aujourd'hui, je peux te poser la question. Qui dirige ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Qui dirige ton mariage? Qui dirige tes études? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, avant que la manne ne tombe, cela a été précédé par une couche de rosée. Dieu voulait juste dire à son peuple, je suis là au milieu de vous, et que cette bénédiction ne vient pas d'ailleurs, ça vient de chez moi. Et ta bénédiction, la façon d'être, vient de qui? Alléluia. Amen. L'église,
Et Tonga, bien-aimé dans le Seigneur, et cherchons la présence de Dieu. La présence de Dieu nous amène à craindre Dieu. Aujourd'hui, l'église a perdu la culture de la crainte de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous a été ôtée. Or, la présence de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Là où il y a le péché, la présence de Dieu nous quitte. Amen. 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 Avoir la présence de Dieu. Être possédé par cette présence. Nous donne le pouvoir de commander, de dominer. Alléluia. Amen. De gérer aujourd'hui les enfants de Dieu. Même quand ils chassent les démons n'obéissent pas. Les démons ne peuvent pas te fuir toi. Si les démons peuvent quitter chez quelqu'un, si les démons peuvent quitter votre maison, ce n'est pas à cause de tes efforts, mais c'est à cause de la présence. Amen. 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 Ce qui fait la force d'une personne. Ce qui fait la force d'une église. Ce ne sont pas les instruments. Ce qui fait la force de l'église. Ce ne sont pas les nombres des gens. Mais ce qui fait la force de l'église, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Qui amènera l'église. Amen. J'aimerais t'exhorter encore cet après-midi. J'aimerais t'exhorter ce soir à rechercher plus la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu marcheras de déception en déception. Sans la présence de Dieu, tu marcheras de échec en échec. Parce que tu veux faire ta vie seul. Aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous commettons les péchés faciles. Oh, ramenez-moi à l'époque où le réveil était amené par nos pères et Nabala, bien souvent et les autres. Je vous dirais que la présence de Dieu était primordiale à l'église. La présence de Dieu venait à l'église de telle sorte que même si le pasteur ne parle pas, ou qu'on amène une mariée, quelqu'un qui est malade, la personne obtient la guérison automatiquement. Ce n'est pas à cause du pasteur. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi l'église? On nous appelle aujourd'hui l'église des réveils.